l'organisation de la société civile, qui a pour but essentiel et fondamental la formation des acteurs des médias, des arts et des sports aux droits humains. Donc naturellement, nous allons animer le département des arts, tout ce qui a trait à la culture. Et comme vous le savez mieux que moi, au commencement était la culture et tout ce qui est beau émane de l'art. L'art de vivre, l'art d'écrire et tout. Donc je suis heureux d'être là et je suis heureux que vous soyez là. Et je souhaite que notre collaboration puisse avoir des fruits. Profitez à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Merci pour le moment. On se retrouve. Les gens qui pensent que vous êtes dans une vision réaliste, et qui sont prêtes, ces personnes-là, à vous accompagner. Je voudrais qu'on salue la présence avec nous de M. Molo. Chers amis, bonjour, chers confrères de la presse. Si nous sommes réunis ce matin, c'est avec en tout cas beaucoup de plaisir que nous trouvons dans ce cadre enchanteur, là, qui est la Gorge d'Or. Et pourquoi? Pour présenter évidemment le RESAPAMDH et son plan d'action. Le RESAPAMDH est le réseau africain des professionnels des arts, des médias et des sports pour la promotion des droits de l'homme et pour la restauration de la dignité humaine. Pourquoi le RESAPAMDH? Nous avons vu que de plus en plus, les droits de l'homme sont violés, bafoués. Et donc nous avons jugé bon de mettre ensemble plusieurs, je dirais, compétences, dont les hommes des arts, les professionnels des arts, les professionnels des médias, les professionnels également des sports. Également, tous ensemble, nous allons pouvoir également mener ce combat-là. Le RESAPAMDH est né de la volonté également de plusieurs personnalités, dont des hommes de médias, des hommes des arts comme M. Ken, et puis des hommes des sports tels que M. Tchétché Aimé. Pour vous dire quoi? Avec évidemment ces différentes compétences-là, on pourra bien entendu faire la promotion des droits de l'homme. Quand on parle des droits de l'homme, on est très souvent campé sur l'aspect politique, mais les droits de l'homme c'est un tout. C'est un domaine vraiment assez très vaste et transversal. Promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Parce que nous nous sommes rendus compte que les droits de l'homme ne sont vraiment pas connus en Côte d'Ivoire. Je vais dire à la suite du RG qui revient, mais je passe la parole bien sûr donc à M. Ken Adamo. Il y a des éléments d'information pour vous. On va d'abord exposer et après on va poser les questions dans tous les sens. Donc chacun passe son opinion. Je pense que c'est une noble cause. Hein. Comme il disait Ken Adamo tout à l'heure, quand on a fréquenté les artistes, on a forcément fréquenté les journalistes. Donc je me retrouve un peu dans mon milieu. Et puis le thème même en question, il est assez important. Je disais la dernière fois au secrétaire général que pour moi, j'assume, les droits de l'homme, ça n'existe pas pour moi. Donc je pense que c'est un chrono que vous avez pris. Je voudrais vous souhaiter beaucoup, beaucoup de courage parce que ça va être très, très difficile. Vous n'allez pas avoir les mains libres, vous allez avoir des bâtons dans les roues. Mais je pense que quand on veut un peu, j'espère que vous aurez assez de force pour mener à bien cette mission. Et que, comme certaines associations qui sont créées, vous n'allez pas disparaître au premier coup de gueule. Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Vous avez parfaitement mon soutien. Je pense que vous allez aller loin pour le bonheur des Ivoiriens en général et pour l'Afrique. Nous sommes des hommes, des médias, des arts et des sports, mais on a toutes les célébrités avec nous. De quoi avons-nous peur? Imaginez-vous, par exemple, un gars comme Didier Drogba, qui, à travers l'Union des sportifs de Côte d'Ivoire, vous donne sa caution pour dire, les gars, je suis avec vous, je vous soutiens. Vous pensez que ça va laisser les gens indifférents? Je ne suis pas sûr que les personnes qui nous écoutent là vont dire non, comme tout pas dedans, on n'est pas avec eux. Mais c'est des symboles de notre lutte. Le réseau ambitionne d'œuvrer dans la promotion des droits de l'homme, la promotion des OMD, dans la promotion des droits de l'homme, des OMD, de la petite enfance et tout, en tout cas plein comme ça d'objectifs. Mais je constate que ces objectifs-là, il y a des associations qui luttent déjà spécifiquement sur ces domaines-là. Est-ce que ce n'est pas un fardeau trop fort pour un jeune réseau comme le vôtre? L'arité, le côté original, c'est que ce sont des hommes des médias, des arts et des sports, qui cette fois-ci vont au devant de la scène, à travers leur voix, à travers leurs actions personnelles, défendre la cause des droits de l'homme. Voilà la différence.
y a des actions qu'on a menées de façon spontanée à travers, par exemple, des formations, par exemple, au niveau local d'abord, au niveau local, je dis en Côte d'Ivoire, par exemple, notamment à Abidjan. Avant la fermeture des cités universitaires, nous avons eu donc à mener des actions de sensibilisation sur les campus universitaires. Parce que nous préparions les élections. Peut-être qu'on n'a pas le temps de faire suffisamment des campagnes de communication, c'est vrai. On a fait ça entre temps. Nous sommes aussi allés dans des maternités où nous avons fait par exemple des dons avec des amis qui sont venus de la Belgique, qui avaient des moyens pour nous accompagner. On a fait des dons dans les hôpitaux. On a dit c'est un déjeuner de préfet. On a dit avant le département partagé, un repas ensemble. Donc je voudrais vraiment encore une fois vous dire merci. Et dire merci au grand frère. Je pense que chacun va dire un mot. Chacun va dire les mots de la fin. Nous avions mis l'accent sur la formation des personnes ressources que vous êtes, que nous sommes, entre nous, la formation de ceux qui allaient investir les terrains, et on n'a pas mis trop d'accent sur la formation des gens, des cibles qu'on va trouver sur place. On leur passe le relais à la limite quand on croise la jeunesse communale de Daoupo. Didier Drogba leur parle par rapport à ce qu'il a reçu en séminaire de formation ici, mais quand il parle, il faut qu'il délègue cette connaissance au président de la jeunesse communale de Daoupo, par exemple. C'est ce qu'il vient de dire. C'est pour ça que nous avons applaudi pour dire là, la symphonie est pratiquement achevée. Donc nous, on parle en tant qu'avant-gardiste, mais quand on arrive sur le terrain, il faut qu'on délègue cette connaissance-là, que le relais soit assuré. Et je suis content que nous ayons vraiment échangé et le niveau de communication me sied. Et je vous dis merci, je vous bénis parce qu'on s'est compris et je suis fier d'une genèse et je suis fier des citoyens que vous êtes par rapport à votre réaction autour de cette partie. La Côte d'Ivoire a de l'espoir et l'Afrique a de l'espoir. C'est mon mot de la fin. Et que le combat commence et que nous restions debout pour que nous soyons tous émergents en ce qui concerne l'Afrique. Merci et à très bientôt. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Notre vision est grande. Seulement, il faut qu'on s'asseye pour échanger. Et au nom du réseau, du Résapam DH, de notre association, de notre collaboration désormais avec l'UNATSI, il est seul, mais derrière lui, il y a 6006 personnes, donc j'imagine que nous sommes nombreux ici aujourd'hui. Voilà. Et c'est le début d'une série d'actions que nous allons mener désormais. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour autre chose, d'autres choses. Mais vraiment, je compte sur vous, je compte sur vous, pour relayer fidèlement les informations que vous avez reçues aujourd'hui, fidèlement. Nous sommes tous journalistes, nous sommes tous producteurs. Vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous, les gars, je compte sur vous. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon, au nom du grand frère Jean-Jacques Moulou, nous allons partager un repas ensemble. Voilà. Ben, ça a été un moment très fort, un moment de fraternité, cette rencontre organisée par le réseau. Hein, et nous adhérons pleinement aux initiatives du président Serge Houli. Nous adhérons au programme d'activité eu égard à ce qui a été exposé. Nous adhérons pleinement et nous allons apporter notre concours dans l'exécution de son plan et de son programme d'action. Pourquoi ? Parce que le droit de l'homme ne peut prospérer que lorsque ceux qui font la promotion des droits de l'homme s'appuient sur la société civile et la population. Et les artistes font partie intégrante de la société civile. D'ailleurs, ce sont les artistes que je représente qui sont les porte-voix des sans-voix de ces populations-là. Et donc nous allons, à notre humble niveau, militer, œuvrer pour que la promotion des droits de l'homme soit une réalité en Côte d'Ivoire aux côtés des membres du réseau. Voilà. Et les échanges ont été fructueux. Et les journalistes qui étaient là, les artistes qui étaient là, tous unanimes pour que désormais
la société civile ivoirienne soit approchée, soit initiée à la culture des droits de l'homme. Et nous allons nous y employer. Au sortir des formations qu'on va nous donner d'ici peu pour que nous soyons des agents de promotion aguerris des droits de l'homme. C'est un déjeuner de presse que nous avons donc organisé et en conduisant les confrères de la presse écrite à ce déjeuner. L'objectif était de les amener à comprendre et à savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons. D'accord. On va partager notre vision, partager un certain nombre de choses avec eux, pour que bien sûr ils puissent savoir ce que nous faisons dans les réseaux. À la longue, nous avons pour mission de former et de faire de ces acteurs-là des professionnels des arts et des médias des sports. Donc voilà, nous sommes ouverts et nous lançons un appel à toutes les personnes qui veulent bien entrer dans notre réseau, de s'impliquer, de mener des actions, de sorte qu'on puisse libérer autour de ce réseau toutes les idées politiques pour faire avancer le réseau. C'est un réseau africain, c'est un réseau qui a une vision large, donc panafricaniste. Voilà un peu ce que je veux dire. Ça a été un plaisir pour moi d'assister ces jeunes gens pour cette initiative qu'ils ont prise. Comme je disais tantôt, il faut avoir beaucoup de responsabilités pour faire ce que je fais. J'espère que Dieu leur permettra d'atteindre leur but. C'est un but qui n'est pas forcément le leur, hein. C'est pour toute la nation ivoirienne, je dirais même toute l'Afrique en a besoin. Le droit de liberté, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et puis bon vent s'il vous plaît.